Le cours du pétrole poursuit sa chute en bourse, le baril de WTI s'approchant des 47 dollars, son plus bas niveau depuis l'accord de l'OPEP en novembre sur la baisse de la production. Cette volonté de rééquilibrage de l'offre et de la demande n'a en effet pas suffi. Avec quelques séances consécutives de baisse des cours, des rumeurs circulent de nouveau sur l'attitude de certains signataires de l'accord qui pourraient être tentés d'accroître de nouveau leur production pour maintenir leur niveau de revenus. L'offre pétrolière mondiale a continué à baisser en février, mais bien plus modestement qu'en janvier.